dirigé à la mode de Jésus. Dans le cadre de leadership efficace que Jésus a exercé pendant que le tape vivait sous terre, nous tirer des principes. Des principes tant que Jésus a toujours assuré que le communiqué vision. Et vision était claire, c'est de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Jésus-Christ lui distribue des rôles. Aux uns, il a donné le ministère de pasteur, aux autres celui de prophète, etc. pour le perfectionnement des saints. Non seulement Jésus-Christ distribue des rôles, mais il fait délégation de pouvoir, délégation d'autorité. Dans le sens qu'il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les démons, sur toute la puissance de l'ennemi. Et donc Jésus-Christ lui fait distribution autorité. Mais non seulement il fait ça, il fait un encouragement continu tout. Donc Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai un consolateur. Non seulement Jésus-Christ fait ça, mais il évalue l'œuvre là, il évalue ça que le bail là. Donc il pas fait une délégation aveugle, mais constamment il évalue le travail là. Dans ce sens ça, il toujours dit, rends compte de ton administration et que les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées. Il y a l'autre élément que nous voyons que Jésus fait, c'est louange et récompense en cas de fidélité. Donc, à monde qui est fidèle, Jésus-Christ lui confie plus de responsabilité. Mais l'autre élément que nous voyons Jésus-Christ fait tout dans le leadership, c'est réprimande et correction en cas de manquement à l'appel. Donc, Jésus-Christ n'a pas seulement fait louange, n'a pas seulement fait récompense en cas de fidélité, mais il réprimande tout, il corrige tout parce que il y a une responsabilité qui baille et donc il y a un compte qui besoin rendre. Et des fois, en pile, le monde toujours pense que, et automatiquement, que yon responsable, yon capable de faire ça, yon vle. Mais non. Et dans le cadre de leadership Jésus, hein, ou responsable, mais on suppose de rendre compte. Et lorsque vous rendez compte, si que vous manquez à l'appel, si que vous pas fidèle dans la responsabilité qui t'est confiée à vous-même, non? Supposez qu'il y a une réprimande, supposez qu'il y a une correction. Et c'est ça que fait Jésus dit, moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Et donc, du zèle. Et reprends-toi. Donc, Jésus montrait que dans le leadership, il n'y a pas de problème pour confronter le monde. En pile manager, toujours, il y a un problème, ça. Il y a un problème pour confronter le monde. Il y a un problème pour faire face à le monde. Dans le cadre de manquement à l'appel, il est normal que lorsque le monde manque, lorsque le monde faillit à mission, que il y a un monde qui parle avec elle. Mais des fois dans culture pas nous gagne l'impression toujours gagne on tourner autour du pot pas jamais qu'à arriver dit bagaille l'argent lié mais dans contexte management dans contexte leadership ça li obligatoire certainement gagne de critiques qui pas toujours constructives mais critiques sont bagaille qui nécessaire donc ou même en tant que manager en tant que leader ou pas seulement bay critique destructive en principe ou pas supposé bay critique qui pour détruire monde mais on supposé bay critique qui capable lever monde et c'est ça que Jésus dit moi je reprends et je corrige tout ce que j'aime et donc c'est parce que Jésus aime monde qui fait Jésus réprimander monde c'est parce que il aime monde qui fait le corriger monde en d'autres termes réprimande à correction c'est pas un bagage qui fait dans un contexte destructeur mais c'est dans un contexte qui fait pour monde que on aime pour monde que on t'a aimé ouais progrès pour lui pour monde que on croit dans capacité pour monde que on croit qui capable bailler le meilleur de lui-même pour monde que on croit qui gagne des potentiels mais pas utiliser tout potentiel li et ben monde ça a besoin réprimander et monde ça a besoin corriger mais toutes les fois où on fait ça il est la politique de l'autruche ou ferme les yeux sur ça ou pas confronter monde là ça pas aider monde non seulement pas aider tête ou en tant que leader mais pas aider monde parce que peut-être ou fait mon nan croire que tout bagay bien alors que bagay yo pas bien peut-être que ou fait mon nan comprendre que Jean li al bon alors que Jean li al pas bon alors que si te gen réprimande si te gen correction moun sa tap capable améliorer et donc réprimande et correction li bay nan sens amélioration pas nan sens destruction et c'est ça que fait Jésus dit et donc du zèle et reprends-toi. Dans le sens que Jésus attend à ce que lorsque on recevra une correction de sa part, lorsque on recevra une réprimande de sa part et que le monde s'apprend à le faire mieux. Parce que c'est ça l'objectif là. L'objectif là, c'est que le monde en fait mieux. Donc à tout le monde que Jésus-Christ t'a confié en responsabilité, à tout le monde que Jésus-Christ t'a fait en délégation de pouvoir à lui-même,
à tout le monde que Jésus t'a encouragé continuellement, à tout le monde que Jésus a évalué travail, à tout le monde qui a recevoir louange et récompense tout en cas de fidélité. Maintenant, en cas de manquement à l'appel, Jésus-Christ lui agit tout. Et donc, dans ce sens-là, où tu es capable de voir Jésus-Christ, et dans le sens que l'a commandé, il n'y a pas de problème lui-même pour que lui réprimande. Et il n'y a pas de problème pour que lui fasse louange, mon tout. Mais il n'y a pas de problème tout pour que lui réprimande. Il fait louange, le pour le faire louange au monde. Donc, louange nécessaire, le pour le fait. Réprimande nécessaire, tout le pour le fait. Donc, tous les deux éléments, ça, eux, sont importants. Dans un contexte de leadership qui est efficace. Et donc, il y a un auteur qui dit que seulement bon Dieu qu'on comment pour lui lever nous sans que le pas flatter nous, seulement bon Dieu qu'on comment pour le rendre nous humble sans que le pas humilier nous. Parce que dans leadership là qu'a Jésus, je joine tous les deux bagages ça yo. Il y a de côté Jésus il affirme monde, mais il y a de côté le réprimande des monde. Et des fois je joine dans même contexte là. De côté Jésus a dit Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Et même tout de suite après, il a dit arrière de moi. Donc Jésus n'a pas de problème dans le leadership là pour que le confronter. Et que nous-mêmes, nous n'avons pas supposé qu'il y ait un problème dans le leadership pour que nous confronter le monde lorsque nous devons confronter. Il y a un monde qui est approché mon leur qui dit moi, lui-même dans le contexte parlant tant que leader, il y a une difficulté pour le confronter le monde. Parce que il peut, lorsque le confronter au monde, lorsque il sanctionne au monde, et que mon nan pas fait un bagage sou li et nan kat vodou fait le mal, monsieur t'a dit moi, et moi-même est-ce que me pas peur lorsque m'a réprimandé un monde, lorsque m'a confronté un monde pour que mon nan pas fait un bagage contre moi dans sens ça. Bon, me dit monsieur moi-même pas gain problème sur rien parce que même quoi dans Jésus-Christ parce que moi couvert. Non seulement moi couvert par le sang de Jésus, mais il y a aussi le fait que mon jeune Jésus a réprimandé tout. Pas seulement jeune Jésus a fait louange moun. Donc lorsque m'a suivi un modèle, lorsque me voulais diriger à la mode de Jésus, m'a regardé tout ça Jésus-Christ fait et tout ça le fait yo comme principe de leadership que moi-même moi capable suivre tout puisque Jésus c'est leader plus efficace qui gagne. Donc si moi-même moi besoin efficace tout, moi besoin copier sous lui. Parce que moi besoin copier sous monde que moi qui fait bon bagaille qui efficace. Et c'est ça moi que Jésus-Christ fait. Donc en matière de leadership, et ça son section très important parce que son bagage qui a une dimension émotionnelle la donne, pendant que monde facile pour accepter louange et récompense, tout le monde pas à l'aise dans aux yeux voir réprimande des corrections, surtout que si monde cap fait là, il pas expérimenté dans manière pour le faire là. Parce que toujours une façon pour dire un bagage. Toujours une façon pour faire un message passer. Et c'est là peut-être tout le monde besoin de développer capacité au sens ça. Comment on va réprimander le monde? Où doit réprimander lorsque réprimande est nécessaire? Où doit corriger lorsque correction est nécessaire? Mais toute question c'est comment on va faire? Mais nous voyons que Jésus-Christ lui-même l'y fait avec douceur. Et l'y fait Jésus-Christ lui communique vérité, mais il communique vérité avec grâce. Dans le sens que grâce et vérité marchent ensemble. Donc il y a deux bagailles, il y a deux vérités au besoin mettez devant monde, mais est-ce que vous faites avec la grâce nécessaire en sorte que vérité ça il construit monde là au lieu que vérité détruit monde, parce que vérité pas là pour détruire, vérité là pour édifier, vérité là pour bâtir, pour construire. Et donc lorsque vous communiquez vérité à un monde en tant que leader parce que monde là a un manquement à l'appel, donc faut qu'on assure que vous faites réprimande là comme il faut. Pour qui ça? Parce que vous-même tout au sujet à réprimande, ou même tout au sujet à correction. Parce que tout le monde sujet à correction, mon Dieu. Tout le monde sujet à réprimande, mon Dieu. Et donc, puisque vous mettez sous tête ou même, et donc lorsque vous faites réprimande et correction, vous avez besoin d'assurer que les gens ont arrêté de mettre ou traiter là. C'est qu'on soit besoin de traiter le monde qui en bas. Et donc, vous avez besoin de développer capacité ça en tant que leader. Et c'est ça que Jésus-Christ a pas pris non. Dans un mode de leadership à sa manière. Jésus-Christ n'est pas efficace seulement parce que c'est bon Dieu, mais il est efficace parce qu'il utilise des principes qui conduisent à l'efficacité. Et donc, nous sommes capables d'apprendre de Jésus-Christ, même si nous n'avons pas appris de lui-même pour le salut, nous n'avons pas appris de Jésus-Christ pour nous capables de comment pour nous approcher de Dieu, mais nous sommes capables d'utiliser les principes de Jésus-Christ dans notre vie, que ce soit dans l'activité personnelle, que ce soit dans l'activité organisationnelle que nous avons exercée, mais toute bagaille
pour sa gloire.